En deuxième position, c'est le numéro 4, Si Robert. Troisième place pour le numéro 10, Bamako des Angles. Et une accélération à l'extérieur de la favorite Specialès qui tente de se rapprocher. Elle va venir aux côtés du numéro 5, Saphir B. On va avoir le duel qu'on attendait. C'est deux Italiennes qui sont en tête. Le numéro 5, l'entraînement Riordan. Et à l'extérieur, c'est le Belge le plus français des Belges d'ailleurs. La famille Martens qui vient à l'extérieur, au numéro 13, Specialès. En troisième position, c'est le numéro 4, Si Robert. Quatrième, Bamako des Angles devant le 10. Avec le 10, Bamako des Angles, mais surtout Bolide de Guéron, le 15, intersection des pistes bientôt, avec Saphir B, numéro 5, qui a toujours l'avantage. En deuxième position, c'est le 4, Si Robert, Specialès, qui est sollicité, 2700 mètres, c'est beaucoup trop long pour Specialès aujourd'hui. Tournant final avec Bamako des Angles qui tente de s'infiltrer à la corde. Saphir B qui a toujours l'avantage. En deuxième position, le numéro 4, Si Robert. Troisième place pour Bamako des Angles avec à l'extérieur Specialès qui va tenter de repartir de plus belle. L'entrée de la ligne droite avec Specialès, numéro 5, Saphir B qui a eu du mal à prendre le dernier virage et qui va repartir sur le plat. Special B s'en va vers la victoire. En deuxième position, Bamako des Angles à l'extérieur avec au centre le numéro 4, Si Robert. Saphir B, le numéro 5, c'est l'Italie qui s'impose. Et une nouvelle victoire pour Björn Kuppe qui est décidément insaisissable en ce moment. Bamako des Angles est deuxième. À troisième place, c'est pour le numéro 4, Si Robert. Quant à la quatrième, c'est peut-être la petite Bambina Magique qui est venue la prendre.